Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à tous pour aujourd'hui pour une vidéo courte, je l'espère, pour vous présenter un nouveau plugin que j'ai trouvé très intéressant, qui valait le détour. Donc justement, on va voir tout ça. C'est la marque Sonox qui propose ça. Alors, pour information, la vidéo n'est pas sponsorisée par Sonox. Ils m'ont juste prêté une licence de démo. Par contre, elle est sponsorisée par moi-même. Donc si vous voulez me soutenir, déjà mettez un pouce en l'air et abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne. À monter et puis du coup à avoir du temps pour vous proposer des vidéos comme celle-ci. Sinon, si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez me faire travailler en allant sur le site ici tower-audio.com pour du mastering par exemple, ou bien aussi partant par mes liens d'affiliation. Voilà, l'auto-promo est fini, on passe tout de suite au plugin. Donc Sonox, c'est une marque qui est assez connue justement pour ses plugins, des plugins qui ont été quasiment cultes à une certaine époque et qui sont encore utilisés. D'ailleurs, moi je les utilise, je vais vous montrer ça. Pour information, Sonox c'était une marque, donc c'est une marque anglaise qui est basée à côté de Londres. Les ingénieurs travaillaient pour SSL, donc faisaient Solid State Logic et faisaient des consoles à l'époque pour SSL. Et ils se sont ils sont partis de chez SSL pour développer leur propre marque qui s'appelle Oxford. Donc qui s'appelait Oxford dans les années à peu près 1980. Et ils ont sorti donc une console numérique, entièrement numérique, que je vais vous montrer ici. Et cette console, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, alors peut-être pas la console, mais en tout cas, peut-être que ça vous parle, puisque ça ressemble justement à leur plugin. Donc cette console, elle est distribuée par Sony, et c'est pour ça que souvent, on voit Oxford, Sonox, Sony, et on ne sait pas trop qui fait quoi. Donc en fait, voilà, à la base, c'était Oxford. C'est Sony qui a distribué leur console Oxford. Ils ont créé des plugins Oxford, et puis après, Sony est parti suite à la création des plugins qui étaient inspirés justement par leur console numérique. Alors pour info, la console numérique, elle valait $1 million. À l'époque, c'était numérique, c'était très cher. Et donc l'entreprise est devenue Sonox. Alors j'imagine une contraction entre Sony et Oxford, quelque chose comme ça. Mais donc Sony est parti, et donc l'entreprise est devenue Sonox et depuis développe des plugins. Justement, donc aujourd'hui, on va voir ces plugins. Alors je vous montre justement les plugins Sonox. Alors moi, pour info, je les utilise encore. Donc ça, c'est le limiteur, donc, qui est chez UAD, mais il existe chez Sonox, c'est le même. Je l'utilise très souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, en fin de chaîne, notamment avec la fonction Enhance, qui est toujours d'actualité. Et le limiteur aussi est vraiment toujours d'actualité. Donc vraiment, ils avaient un gros temps d'avance. Et voyez ensuite les EQ, qui ressemblent justement, comme on le voit, à ces consoles. Je vous remonte la console. Voilà ici, donc vraiment les plugins étaient inspirés des consoles. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu laids, il faut l'avouer, ça leur ferait du bien un petit coup de polish, mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on va parler d'un plugin qui lui par contre est tout neuf et tout beau, c'est le Claro. Donc ce plugin, il va comporter un petit peu plusieurs aspects. La partie comme ça, quand on l'ouvre, il est comme ça, donc la partie produce, en parfait anglais, vous me connaissez bien, produce, plutôt, voilà. Ainsi, la partie tweak et la partie mix. On va dire que c'est un petit peu dans l'ordre, c'est-à-dire que ça va s'adresser peut-être aux débutants, quoique, là, de manière un peu plus avancée, et là, on va voir vraiment la partie, moi, qui m'intéresse, la partie mix. Donc on verra ces deux parties un petit peu plus tard, mais je vais tout de suite vous montrer le cœur du plugin, et c'est ça vraiment qui m'a intéressé, la partie mix. Donc voilà, nous voilà sur un plugin. Alors l'avantage, c'est que ce plugin, vous voyez, c'est toujours bien quand il propose ça, c'est qu'il peut être, on peut le redimensionner, et il est tout à fait responsive, c'est-à-dire que voilà, les éléments s'adaptent en fonction du zoom, et ça c'est toujours bien de pouvoir le faire. Donc je vais zoomer un petit peu correctement, voilà, et vous allez tout de suite comprendre à quoi il sert ce plugin. Alors je vous ai mis ici pour surveiller un peu aussi la latence et puis la consommation CPU. Donc là je suis sur Studio One, vous pouvez comme ça jeter un petit œil pour voir un petit peu ce que ça consomme. Alors pour info, je suis sur un Mac Pro 2019 avec 16 cœurs, mais bon, ça n'empêche que ça permet d'avoir un petit aperçu. Alors je vous fais écouter la prod, donc c'est la prod des abonnés pour ceux qui suivent la chaîne. Pendant l'été, on a commencé une prod tous ensemble avec les abonnés. D'ailleurs la prod n'est pas encore finie, donc vous pouvez vous joindre à nous, je vous mets en description la vidéo, la première vidéo qui parle du projet.
Donc je vous fais écouter ça dès le départ avec l'intro. On va se concentrer un petit peu sur cette partie-là. Mais j'ai trouvé cette prod intéressante parce que déjà ça vous permet de voir un petit peu comment elle avance et puis de voir un peu comment je vais la mixer et ce que je vais faire parce que c'était aussi le but du projet. Mais aussi, et ça je l'ai dit dans ma dernière vidéo qui parle de ce projet, c'est que tout le monde m'a envoyé des morceaux et des boucles. Ils ont travaillé un petit peu de leur côté et chez eux comme ça sans avoir la globalité du projet. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé avec beaucoup de boucles qui sont toutes très remplies au niveau du spectre. C'est-à-dire qu'il y a des basses, il y a des médiums, il y a des aigus. Et pour faire matcher un petit peu tout ça ensemble, j'ai eu beaucoup de mal parce que tout était très riche. Et donc justement, c'est un projet qui est parfait pour illustrer ce que peut faire le plugin Claro. Alors je vous fais écouter la prod dès le début et puis après on travaille dessus. Voilà, on arrête là l'écoute, puisque de toute façon, on va l'écouter pendant qu'on travaille dessus. Mais ceux qui ont observé un petit peu ce plugin, je pense, ont déjà compris l'intérêt du plugin. C'est qu'avec un même plugin, on va pouvoir voir qu'est-ce qui entre en collision, de quelque sorte, qu'est-ce qui rentre en conflit avec tel ou tel track. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a déjà des plugins qui proposent ça. Par exemple, chez Isotope, il y a le très bon Neutron 3 qui permet en fait du match EQ entre, enfin pas du match EQ, du invert EQ entre deux sources et de voir aussi quels sont les éléments qui posent problème, enfin quelles sont les fréquences qui posent problème, mais sauf qu'on peut le faire qu'avec deux pistes. Et c'est à chaque fois, on compare une piste avec une autre, une piste avec une autre, au sein des plugins qui sont mis sur la tranche de console. Alors que là, en fait, c'est ce qu'on voit ici, j'ai mis que ça hein, comme effet. J'ai mis des claros ici sur toutes les pistes. Et à chaque fois qu'il va se mettre sur une piste, non seulement il va prendre le nom de la piste, aussi l'ordre, hein, c'est-à-dire si je change mon ordre, ça va se changer dynamiquement ici. Mais aussi, il va aller tout simplement nous montrer, pas nous faire écouter, mais nous montrer ce qui se passe. Donc là, si je joue, on va se mettre par contre plutôt dans voilà, la partie pleine. Donc voilà, ce qui est bleu, c'est le spectre a priori voilà, de quasiment de 10 Hz jusqu'à 40 000. On voit que c'est un EQ assez large. Là, je pense qu'on est à 10, là, on est à 40 000. Donc on voit ce qui joue et on voit où c'est rempli. Et là où il y a du jaune, bah, vous devinerez que c'est là où ça pose problème. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement partir. On va prendre par exemple le kick. Donc ici, pour prendre le kick, j'ai deux solutions. Ou je le fais glisser, ou alors je mets une étoile. Okay, donc là, si je mets une étoile, il part en haut. On va dire que c'est ma track un peu de référence. Et ensuite, je vais bien sûr prendre la basse sub. Donc là, on est sur le fameux conflit kick-bass qui est beaucoup plus compliqué à résoudre que le conflit israélo-palestinien, j'arrive même pas à le dire. Vous connaissez bien le problème du conflit kick-bass et tout de suite on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, tout simplement, avec l'indication jaune, ça va me dire, attention, là, il y a un conflit. Après, ça ne veut pas dire que je suis obligé de le régler, hein. Je peux vouloir qu'il y en ait. Alors là, l'idéal, ça serait de le faire avec un sidechain, évidemment, mais je ne vais pas le faire ici. Et pourquoi pas avec un EQ dynamique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet EQ, malheureusement, n'est pas dynamique, parce que ça pourrait lui permettre comme ça de se rabaisser uniquement quand le kick joue. Ça serait génial, mais peut-être pour une version 2 ou une update. Donc voilà, alors pour les fonctions de cet EQ, vous voyez que, alors je vais le réinitialiser, on a déjà, je peux ici travailler la piste basse, mais je peux aussi appuyer sur Invert EQ et la regarder. Voilà,
Voilà, ça c'est vachement bien parce que d'un coup, comme ça me permet de pouvoir faire un boost pendant que je fais un cut ici. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Alors peut-être pas sur du kick basse, parce qu'en général, maintenant, les kicks, on n'y touche pas trop, mais sur d'autres instruments, ça peut être très utile. Donc là, je vais annuler l'invert EQ, je vais annuler cet EQ ici. J'en profite pour vous montrer un petit peu les fonctions de base de cet EQ. Alors c'est vraiment un EQ basique, hein, qui sonne transparent, on n'est pas là pour avoir de la couleur. Et il a vraiment les fonctions qu'on retrouve un petit peu maintenant sur tous les EQ. C'est FabFilter qui a lancé un peu cette ergonomie-là. On le trouve maintenant sur celui, le Infinity EQ de Slate, etc. Donc avec le clic droit, comme ça, je peux l'activer, le désactiver. J'ai ici les différentes, donc low cut, low shelf, bells, high shelf, high cut. J'ai bien sûr la possibilité de travailler en left, right, stéréo, en mid ou en side, donc en stéréo ou en mono dans la partie des sides. Je peux faire du split EQ, voilà, pour séparer mon EQ. Par exemple, voilà, il va être que sur L et que sur R, par exemple, pour le séparer sur mes deux canaux différents. Ça, c'est intéressant aussi. Et ici, donc là, ici, j'ai le volume, donc la quantité de décibels. Vous voyez, si je touche ici, c'est pratique, c'est que je ne peux pas aller de droite à gauche, donc ça le bloque. Là, ici, j'ai le point de Q, donc le facteur Q qui va me permettre d'être plus ou moins large. Ici, donc la fréquence. Là, ici, je peux isoler une fréquence et puis écouter que cette fréquence-là, ok? Alors, ce qui est très dommage, j'en profite pour vous montrer ça, c'est que je ne peux pas, a priori, à moins que je me trompe, mais j'ai pas trouvé la fonction, même dans la notice, je ne peux pas soloiser une track. Je peux pas aller écouter que ma basse sub. Donc pour écouter ma basse sub, je suis obligé de me barrer de là, d'aller sur basse sub, elle est où elle est là, de la mettre en solo, de revenir et d'écouter. Ok, donc on va essayer le casque. Voilà, là ça marche. Mais c'est quand même très dommage parce que justement l'intérêt de ce plugin pour moi c'est de rester dans une seule même instance de ce plugin-là et de ne pas aller revenir dans la session et de tout faire comme ça dans une seule fenêtre. Et c'est ça qui est génial je trouve. Donc c'est un peu dommage de ne pas réussir à soloiser la piste. Alors peut-être que c'est tout simplement pas possible techniquement, peut-être que c'est compliqué d'aller soloiser mais... Ça m'étonnerait, en tout cas je pense qu'un mute est possible. Aussi le bypass EQ, il marche que pour les EQ affichés, il ne marche pas pour tout. Ça serait bien un bypass all. Alors dans Studio One, je peux le faire, puisque Studio One, on peut comme ça sélectionner plusieurs pistes et virer plusieurs plugins d'un coup. Mais par exemple, dans Live, on ne peut pas. Et j'en profite pour vous parler de Live. J'ai eu des gros problèmes dans Live avec le Claro. Quand je mets plusieurs instances, le truc il rame et c'est inutilisable. Donc c'est pour ça que je suis passé dans Studio One. Je pense que vraiment c'est un problème de jeunesse. Hein. Ce plugin vient de sortir. D'ailleurs, en ce moment, il est pas cher. Hein. Il est à 99 € au moment où je tourne la vidéo. Donc, on est le 20 octobre. Donc, c'est un prix promo. J'ai pas envie de dire que c'est une bêta, mais voilà, il faut toujours laisser le temps aux développeurs de corriger les premiers bugs de jeunesse. Donc, je pense que là, il marche très, très, très bien dans Studio One. Il bug un peu dans Live, puisque quand il y a beaucoup comme ça d'instances, ça rame. Donc, j'ai du mal à utiliser, mais je pense qu'il faut leur laisser le temps. Alors si vous l'achetez pour l'utiliser sur Live, peut-être envoyer un mail au support, demander s'ils sont au courant du bug et si ça va être réglé pour être sûr. Mais voilà, c'est juste, en tout cas c'est ce que je voulais vous dire parce que j'ai remarqué ça. Je l'ai pas testé dans les autres séquenceurs, mais voilà. De toute façon, je mixe moi personnellement dans Studio One et je compose pas dans Live, donc pour moi c'est pas très grave. Donc voilà pour ça. Donc alors c'est dommage qu'on peut pas soloiser les pistes. Alors il y a aussi quelque chose, c'est peut-être qu'ils l'ont pas mis parce que c'est vrai que quand on fait un mix comme ça d'EQ d'une track avec une autre. Normalement, on a tendance à mixer dans le contexte, c'est-à-dire à écouter toutes les tracks les unes dans les autres et à se forcer à pas soloiser. Il faut pas soloiser les pistes, mais malgré tout, de temps en temps, c'est quand même bien pour identifier quelle est cette piste. Moi, j'aime bien quand même soloiser ma piste et écouter, ah ok, là, c'est vrai que j'ai des drums, des machins, des trucs, et pas forcément regarder ici ma courbe, mon analyseur. Donc, moi, vraiment, même si je sais qu'il ne faut pas soloiser, il faut mixer comme ça en contexte, j'aime bien quand même pouvoir soloiser. Donc, peut-être que ça viendra. Mais c'est vraiment pour moi dommage. Mais c'est pas grave, bon, on peut, c'est pas très grave, hein. On vire les fenêtres, on va soloiser telle piste et puis on remet les fenêtres. C'est pas très très compliqué, mais voilà, c'est dommage. J'insiste sur ce point parce que c'est le seul truc pour moi qui me manque vraiment sur ce plugin pour qu'il soit, on va dire quasiment parfait, à part le Dynamic EQ, mais ça, voilà, ça viendra peut-être plus tard. Donc voilà, et ensuite pour finir, donc voilà, je peux écouter au casque et je peux bien sûr, comme ça très facilement, aller régler
la taille de la bande, hein, que ce soit pour le low shelf, high shelf, etc. Ok. Donc voilà, alors aussi des petits trucs sympas, c'est que j'ai voyé des indications weight, warmth, body, présence, définition air, et ici rumble, boom, mud, nasal, hardness, hiss. Donc en gros, ça veut dire, vous voyez qu'ils sont en haut ou en bas, c'est qu'ils vont vous donner des indications sur en général quelles sont les fréquences problématiques. Ici, c'est les fréquences nasillardes, donc vous voyez que quand on fait ça, ça permet d'enlever ça. Donc c'est toujours bien de le savoir, alors c'est pas que la voix, mais ça peut être justement les fréquences un peu nasales comme ça, même sur des synthés. Harshness, c'est un peu le... Voilà, le côté un peu agressif. Le i c'est le comme ça, le mute c'est voilà, je fais bien les choses, le boom c'est boum et le rumble voilà. Donc tout ça c'est un peu ce qu'on va essayer de d'enlever, donc on va cutter. Et là ici à la différence, le white c'est un peu le poids, donc l'assise avec le grave, le warm c'est un peu la chaleur du morceau pour donner de la chaleur, le body c'est le corps pour redonner vraiment du corps à notre track, la présence, on va justement écouter ça un petit peu sur quelque chose de plus on va dire de plus probant, très joli mot probant que ça. Alors on va aller sur le P900 qui est un de mes plugins favoris, qui est malheureusement plus disponible mais qui émule à la perfection le modèle 900 de chez Moog. Et donc on va aller écouter un petit peu justement ce qu'ils entendent par là. Donc. Oui, warmth, body. Je vais agrandir un peu ça quand même. Alors je peux le faire avec le bouton commande. Voilà, la présence, c'est vrai. Hein. Définition. Et R. Voilà, et vous voyez que si je monte très haut comme ça, l'échelle ici va s'adapter et va monter. Donc ça, c'est pas mal. Ça me permet comme ça. Et là, vous voyez, si je reviens, il me dit, OK, bah, tu peux revenir à une échelle un peu plus petite. Ça permet de voir ce qu'on fait. Et ça s'adapte, hop, tout seul. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. Voilà. OK, et là, si on enlève, vous voyez. Voilà, bon, je vais pas vous faire un cours sur les EQ, mais c'était pour vous montrer que c'est sympa. Donc ça, finalement, c'est... Ça s'adresse un peu aux débutants avancés, voilà, qui connaissent pas un petit peu les endroits clés, mais j'avoue que c'est même un bon rappel pour quelqu'un qui s'y connaît. Ça permet de savoir un peu où faut traiter et de faire une piqûre de rappel qui est un mot à ne pas utiliser en ce moment. Donc voilà un peu pour ça. Donc on va vite un petit peu, je vais vous montrer quelques tracks. Donc par exemple, on va aller sur mon Moog. Donc là, il est sélectionné. Et je vais voir avec quoi il coince. Alors avec pas mal de choses, par exemple avec ça. Alors je vous les mets en solo pour l'exercice, on va dire. Ah non, c'est pas celle-là. Attendez, c'est complet de contrôle. Oui, normalement c'est celle-là. Oui, c'est qu'il est assez bas. Ouais. Ok. Alors vous voyez que il prend en compte quand même les fréquences, mais vous voyez que c'est quand même assez bas. Donc si je monte le volume, il va pas prendre. Regardez, je vous monte. Attendez, je vais baisser ça. Alors je vais revenir, pardon, à mon plugin ici, il est où ? Harp Moog, je le mets là. Alors je peux le mettre en bas maintenant du coup. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'il ne va pas prendre en compte forcément le niveau. Voilà, et ça peut être entre guillemets embêtant, c'est-à-dire que ça peut être une solution d'enlever forcément un conflit, c'est tout simplement de baisser le volume, mais là il va pas le voir, lui il va prendre un petit peu le son qui arrive dans le claro. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire son gain staging et à la limite de mettre des plugins de gain, pourquoi pas, avant le claro, et puis vraiment régler ses niveaux, pas qu'avec les faders. De toute façon les faders c'est fait pour mixer, hein, c'est pas fait pour régler les niveaux. Donc ça permet aussi de pas confondre ça. Voilà, en l'occurrence tout à zéro puisque mon mix avait été fait dans live, en tout cas mes niveaux. Donc voilà, donc ça faut le savoir, c'est qu'il peut y avoir des conflits, mais c'est pas lié au volume de la piste, ok. Donc on va revenir sur ici ma piste du P900, du Moog. S'il veut bien se rouvrir, voilà. Alors vous voyez, il y a un petit problème d'affichage de temps en temps, mais bon, c'est pas très gênant.
Donc là, on va voir avec quoi d'autre il pourrait poser problème. Par exemple, avec, on va voir Anna, par exemple, ou avec l'harpe. Je vais la mettre là. Voilà, donc on va aller ici se mettre sur harpe. Vous voyez, donc là, il me dit qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a une pente quand même jusqu'à 120 dB par octave, donc ça c'est toujours appréciable. Alors c'est un EQ qui n'est pas à phase linéaire, hein, bien sûr, il est, voilà, c'est pas à phase linéaire, ça consommerait beaucoup trop je pense. Donc il faut faire attention à ce genre de cut si on n'est pas en phase linéaire justement, mais bon, voilà, en tout cas ça y est. Voilà, alors forcément, les conflits vont aussi se déplacer en fonction des notes jouées. Donc si on voulait aller plus loin, ça serait bien aussi que l'EQ fasse du surfer EQ et suive les fréquences. Mais bon, là j'en demande trop. Mais voilà, donc ça vous permet comme ça quand même de assez facilement de détecter où sont les problèmes, de les régler ou pas. Donc alors attention quand même au invert EQ, parce que si je fais comme quelque chose comme ça de très serré, vous voyez que ça va aussi me le serrer en haut. Et en général, on a quand même tendance quand on cut... En général, à cutter quand même de manière assez précise. Mais par contre, quand on augmente, on a en général tendance à faire des courbes comme ça un peu plus larges. Mais en tout cas, ça peut faire un point de départ. Après, j'enlève l'invert EQ et puis je le déplace. Donc voilà un peu pour cette partie-là. Vous voyez, et donc en fonction les alors, j'ai pas trouvé le moyen de réinitialiser mon EQ, à part en tout sélectionnant, en faisant un clic droit et supprimer. Pourquoi pas? Mais bon, voilà. Ce que je vous ai pas montré aussi, j'en profite, pardon, c'est qu'ici, il y a une ligne... comme ça, qui est rose. Donc ça, c'est la ligne side. Donc automatiquement, je peux aller, par exemple, ici, faire un cut dans mes sides et laisser laisser le volume de mes mids, mes côtés, les sides. Donc ça, c'est un EQ mid-side. Et heureusement, parce que c'est super important aujourd'hui de d'équaliser en mid-side, ça permet vraiment de libérer de la place, faire des belles choses. Donc il faut vraiment pas s'en priver, surtout pas. Donc vous voyez qu'on va prendre quand même une autre petite track juste pour vous montrer. On va prendre... Alors je vais me remettre ici, je vais enlever le solo. Vous voyez que c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut que je pense à chaque fois à revenir, mais bon. Alors vous voyez, là, j'y suis allé comme un bourrin, évidemment, mais vous voyez que ça a réglé forcément ce problème de conflit, puisque j'ai cuté. Et là, on voit ici le résultat avant, et ça, c'est le résultat après. Hein. Donc là, il y aurait tout ça de basse, mais là, on voit bien que ça a été coupé. Ça, c'est toujours bien d'avoir cette indication-là. Attention quand même aux vue-mètres, enfin aux analyseurs, ça peut vous tromper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Faut pas non plus penser que voilà, je vois un pic, donc il faut que j'aille le creuser. Vous allez creuser justement des éléments importants. Donc c'est pas parce qu'un truc dépasse que c'est mauvais. Il faut aller vérifier, il faut aller écouter. Il faut d'abord écouter avant de regarder, mais ça peut être une indication quand même. Ok, donc voilà pour le principe. Je vais pas aller plus loin. Ce que je vais faire après, c'est que je vais faire mon mix tranquillement avec ça et puis on verra le résultat final. Par contre, ce que je vais vous montrer quand même, c'est l'autre partie. Voilà, et on va aller dans la partie pro. Je vais le faire en français, hein, produce. Donc ici, on a une version. Alors, je vais me mettre en solo hein, pour qu'on comprenne bien ce qu'il fait. On a un EQ, j'ai envie de dire, un petit peu débutant. Et on va pouvoir ici, avec low, mid et high, justement très facilement aller agir sur le bas, sur le médium ou sur les aigus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, c'est que quand je monte le son, ça ne monte pas le volume. Et ça, c'est vachement bien. Il y a un auto-gain ici qui est activé. Alors, si je ne l'active pas... Vous
Voilà, donc en fonction du nombre de dB que je rajoute, bah, il va m'enlever à peu près, il va essayer de compenser, d'ailleurs il le fait très bien, il va compenser avec un autogain pour que quand je booste une fréquence, ça ne monte pas le volume finalement de ma track. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de ne pas se faire tromper par le plus fort c'est mieux, donc c'est cool. Donc vous voyez que je vais pouvoir en plus, ici j'ai on va dire des fréquences un peu clés, donc là je suis à 1 kg, 2 kg, je peux le faire à la main bien sûr, je peux être précis mais je peux aller comme ça choisir entre guillemets un preset, je peux utiliser un shelf ici, donc high shelf, voilà 16 kg, 8, je peux désactiver ma bande en cliquant deux fois, ok. Alors vous voyez qu'il y a un petit saut. Voilà, c'est-à-dire que l'autogain s'active, mais genre un quart de seconde à s'activer. Voilà, bon, peut-être ça, ce sera corrigé. Et c'est à peu près tout, donc voilà. Ah, sinon après, donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai... Alors vous voyez qu'aussi j'ai un petit peu la puissance ici qui est affichée, la puissance du volume, hein, un peu la quantité, c'est un analyseur un peu différent, mais qui est aussi sympa. Et là, donc j'ai l'écartement with, qui permet de tout simplement travailler dans les sides. Là, j'ai un low cut avec la pente. Ok, et une fois que je suis content de moi, bah, je peux très bien me dire, allez, j'ai envie d'aller un peu plus loin, je vais dans Tweak. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai tout simplement, voilà, la courbe que j'ai dessinée ici, un petit peu sans m'en rendre compte, elle a été vraiment réalisée là. Et je la retrouve aussi, bien sûr, dans Mix. Normalement, alors il faut que je me remette là. Voilà, elle y est bien. Donc voilà, je trouve que ça c'est quand même une fonction sympa. Alors je peux afficher les tracks ou les masquer, afficher les bus si j'ai mon plugin sur des bus et afficher les effets si j'ai mon claro sur des effets. Donc voilà un peu pour tout ça. Je vais passer un petit peu tout ça à la moulinette et puis je vous retrouve juste après avoir équalisé tout ça pour vous montrer un peu le résultat juste d'une équalisation. Voilà, donc on se retrouve après 20 minutes à peu près, même pas. J'ai fait des EQ. Alors, évidemment, il faudrait faire beaucoup d'autres choses, puisque là, le mix n'était pas du tout fini. Enfin, le sound design, j'avais plein de trucs à faire, de la compression, de la saturation, continuer à régler les sons, les délais, les réverbes. Enfin, il y a énormément de choses. Donc là, j'ai vraiment fait que des EQ. C'est évidemment pas assez pour que le mix soit pro. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir un aperçu de ce que peut faire juste finalement ce plugin-là. Donc je vous fais écouter et pendant que ça joue, eh bien je vais passer ici comme ça, pardon. Je vais passer avec l'étoile ici, vous montrer un peu ce qui a été fait sur chaque piste. J'ai un peu exagéré hein, pour vous faire écouter la force que peut avoir juste de faire des EQ. Mais bon, il faudrait que j'y passe plus de temps, sincèrement. Il faudrait que j'y passe encore une petite demi-heure peut-être. Mais déjà, c'est pour vous montrer où ça en est avec quelque chose de fait très rapidement. Ok, allez, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai quasiment travaillé sur du mid-side, quasiment sur tous les EQ. Et vous allez voir que justement, ça participe un peu à cette ouverture stéréo. Donc je vous fais écouter le mix sans le claro. Donc quand c'est comme ça, tout éteint, c'est sans le claro. Et quand tout est allumé, comme ça ici, hein, c'est avec le claro. C'est parti. Voilà, bon, je pense que c'est assez flagrant. En tout cas,
Il y a encore du boulot, évidemment, mais c'était pour vous montrer un peu les possibilités. Moi, je trouve vraiment que c'est un plugin intéressant, aussi bien pour les, je vous dis, les débutants avec cette partie-là, débutant confirmé, cette partie-là pour un EQ classique et cette partie-là qui est vraiment assez novatrice, même si, encore une fois, ils n'ont rien inventé. Mais en tout cas, ils ont eu la bonne idée de tout rassembler et de pouvoir traiter toutes les pistes en même temps. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un plugin qui vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est un bon outil pour vous? Sinon, quel plugin vous utilisez? Quel est votre equalizer préféré? Ça m'intéresse de savoir tout ça, puis ça me permet aussi des fois de découvrir des nouveaux plugins. Voilà, donc quant à nous, on se retrouve tous les mercredis en live à partir de 19h pour parler entre nous. Il y a plusieurs émissions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des émissions assez longues d'une heure et demie. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 27 à 19h, je vais recevoir MJ de MJ Tutoriel. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, il a appris à toute une génération française à produire. Donc, si vous ne le connaissez pas, vraiment venez, parce que c'est quelqu'un d'un puits de science. Et vraiment, l'émission, je suis sûr, va être très intéressante. En plus, il y aura une belle surprise pour ceux qui nous regardent en live. Donc, vraiment, soyez là en live. Donc, ce sera le 27 octobre, à partir de 19h. Et pour ceux qui n'ont pas le courage de regarder des émissions d'une heure et demie, ce que je peux comprendre, eh bien, on se retrouve pour des vidéos un peu plus courtes comme ça, de temps en temps, où je vous montrerai un plugin, etc. La prochaine, d'ailleurs, ce sera sans doute le test des AirPods version 3. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!